Bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Dans ma dernière vidéo, je vous ai donc parlé directement de Bunk et de Highgard. Cartes en dossage de crédit, sont-elles de véritables cartes de crédit? Et bien là, cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce que l'on peut faire avec ces deux cartes bancaires. Car la question qui m'est souvent posée, qu'est-ce que l'on peut payer avec ces cartes bancaires? Peut-on faire du 4 fois son frais? Eh bien, vous allez tout savoir dans cette vidéo. C'est parti, on y va. La dernière vidéo a été centrée directement sur Bunk et sur Highgard pour vous expliquer tout simplement est-ce que ces cartes sont de véritables cartes bancaires de crédit car elles comportent toutes deux la mention endossage de crédit. Même si l'une ne la comporte pas sur sa carte bancaire, elle est incluse dans la puce, l'autre l'inclut sur sa carte bancaire, on le voit ici, l'endossage est ici. Et je vous ai expliqué dans cette vidéo que ces cartes bancaires n'étaient pas tout à fait de véritables cartes de crédit, qui ne pouvaient quasiment pas être une carte de débit différé, mais une approche tout ou presque. Et la grande gagnante a été Bunk, qui l'emporte sur tous les points car elle se rapproche de plus en plus de la carte de débit différé, même si elle comporte un endossage et un côté quasi systématique. Alors dans cette vidéo, beaucoup de questions m'ont été posées sur les réseaux sociaux en me demandant mais qu'est-ce que l'on peut faire avec ces cartes bancaires endossées du crédit? Peut-on avoir un crédit? Peut-on faire du débit différé? Peut-on simplement faire du 4 fois sans frais? Et est-ce réellement possible de pouvoir louer un véhicule et louer une chambre d'hôtel? Ou c'est simplement pour faire du marketing que ces cartes bancaires endossent du crédit? Endossent l'endossage crédit. Alors, il faut savoir que l'une est une néobanque, banque en ligne aux Pays-Bas et en France néobancaire. Et l'autre, iCard, est une banque au côté bulgare et est une fintech en France. Toutes deux sont très différentes car elles ne comportent pas les mêmes offres, car l'une comportera plus des offres du domaine bancaire que l'autre comportera simplement des offres pour en faire un portefeuille carte bancaire. Alors, avec ces deux cartes-là, elles comportent toutes deux la mention crédit. La mention crédit qui est incluse sur la carte bancaire, on appelle cela un endossage. Et la carte de iCard la comportera dans la puce qui, il faudra donc se rendre sur un petit site internet, taper les 6 premiers chiffres et vous verrez que cette carte est une carte endossée de crédit. Binlist.net, que vous voyez ici, si vous voulez vérifier ces deux types de cartes bancaires, binlist.net vous apportera donc les informations qui se trouvent dans la puce de chaque carte bancaire. Avec ces cartes bancaires, vous avez donc différentes offres qui s'offrent à vous. Elles sont toutes préconisées pour le voyage, donc vous n'aurez aucun problème pour le voyage puisqu'elles sont préconisées pour le voyage. L'une comportera donc la possibilité de payer en devise locale. Quant à l'autre, ne pourra donc pas payer en devise locale, mais devra faire la conversion. Conversion de la devise locale. Vous avez donc la possibilité d'avoir une carte Mastercard qui ne comportera aucune mention, quelle que soit la carte, c'est une Mastercard endossée crédit. Et l'autre sera donc une véritable Visa avec l'Infinite qui se rangera car vous allez recevoir un petit coffret dans la partie Infinite bulgare. Ce n'est pas l'Infinite française comme certains pourront vous dire, mais c'est meilleur de prendre l'Infinite française. C'est l'Infinite bulgare qui est possible d'être utilisée partout dans le monde avec la carte bancaire Visa Infinite. L'une sera gratuite quasiment à l'ouverture de votre compte. La première carte est gratuite. L'autre vous coûtera 9,90 € par mois et 99 € à l'année. Donc vous payez la carte 9,90 € tous les mois si vous la prenez par mois et 99 € à l'année. Quant à celle de Bunk, vous ne la payez que 0 € la première carte et la suivante. Si vous perdez votre carte ou vous la faites voler, vous la payerez 9,99 €.
Et si vous sollicitez en avoir une seconde, car vous avez pris l'offre pour en avoir plusieurs, vous paierez votre carte 9,90 €. Les différences de ces deux cartes, c'est au niveau des plafonds, car les plafonds sont assez différents l'une et l'autre. Chez Bunk, les plafonds de la carte bancaire vous seront délivrés de 50 000 € par jour. Vous pourrez donc plafonner vos plafonds comme bon vous semble avec l'une et l'autre carte, car vous aurez chez Bunk un plafond qui commencera de 0 € à 50 000 € par jour. Avec la carte de chez iGuard Visa Infinite qui sera inscrite sur le réseau Visa Infinite, vous aurez un plafond jusqu'à 25 000 € par mois. Donc, voyez les différences de ces deux plafonds. Pour les retraits, l'une chez Bunk vous donnera un retrait selon l'offre que vous prendrez. Si vous prenez une offre de base, vous aurez jusqu'à 500 € de retrait par mois. Si vous prenez une offre haut de gamme, vous aurez 1 000 € de retrait par mois, mais avec lequel vous pourrez prendre plusieurs cartes bancaires. Si vous prenez deux cartes bancaires ou trois cartes bancaires de crédit, vous pourrez aller jusqu'à 3 000 € dans l'ensemble de ces trois cartes bancaires, c'est-à-dire 1 000 € sur chaque carte bancaire, car Bunk n'interdit pas que l'on utilise trois cartes bancaires pour avoir 3 000 € de plafond. Avec la carte de chez iGuard, vous pourrez aller jusqu'à 1 000 € de retrait. Donc, vous aurez 1 000 € de retrait avec la carte de chez iGuard. Tous deux comportent donc la possibilité de pouvoir vous donner un accès aux assurances voyage. Mais chez Bunk, l'assurance voyage n'est disponible que sur l'offre haut de gamme, la plus haute gamme, c'est-à-dire l'offre, la toute dernière offre, la plus haute gamme XL, c'est-à-dire un Easy Bank Pro XL. Vous aurez donc les assurances voyage. Et avec la carte Visa Infinite de chez iCard, vous aurez les assurances voyage. Assurance voyage qui reprendra donc l'assurance voyage d'une Gold Mastercard, car la carte est une Mastercard. Vous aurez donc les assurances quasiment d'une Visa Infinite, telles que celles que vous connaissez directement sur les Visa Infinite en France. Vous aurez donc l'assurance Visa Première plus élaborée sur l'offre Visa Infinite, car vous aurez donc sur chaque partie de ces deux cartes, vous aurez donc la partie médicale. L'une sera plus abordable, c'est celle de chez iGuard. Vous aurez donc l'aéroport, c'est-à-dire si votre avion est en retard, si vous perdez le vol de bagages, si vous perdez votre bagage ou le vol de bagages. Vous aurez donc l'allocation de véhicule, c'est-à-dire l'assurance que vous remet le loueur pour être assuré en cas de dégâts au véhicule de location. Vous aurez ça sur ces deux cartes bancaires. Vous aurez donc l'assurance pour le ski sur ces deux cartes. L'une sera plus abordable, comme je vous ai dit, en assurance. Vous aurez donc quasiment la conciergerie avec iGuard que Bunk ne dispose pas. Sur ces deux offres-là, la carte bancaire, vous pourrez donc payer partout là où la carte Visa et Mastercard seront acceptées. L'une sera plus dans le domaine bancaire, c'est-à-dire Bunk, avec lequel vous aurez des offres de compte, formule de compte, qui seront plus adaptées à un compte bancaire, alors que la Visa iCard de chez iCard sera plus préconisée pour les voyages. Avoir une carte pour faire ses courses ou bien pour payer dans la vie quotidienne avec une carte qui sera reconnue comme une Visa Infinite sera perçue, vous serez perçu comme étant une personne ayant pignon sur rue, alors qu'avec une carte comme ça, vous serez vu comme une personne tout à fait simple. Alors avec la carte de chez Bunk, vous pourrez donc payer sur Internet sans aucun souci. Avec la carte chez iCard, vous pourrez donc payer sans aucun souci sur Internet. Vous aurez donc une carte virtuelle avec Bunk, lequel CVC change, auquel il n'y a pas de CVC sur ces cartes bancaires. Avec la carte de chez iCard, vous pourrez avoir jusqu'à deux voire trois cartes virtuelles que vous pourrez avoir dans son portefeuille de cartes bancaires. Vous pourrez donc avoir cela et vous pourrez même avoir aussi une carte plastique à 1 euro, une carte simple
auquel vous serez donc tous sur la Visa Infinite. Avec Bank, vous pourrez donc avoir jusqu'à 3 cartes bancaires avec ses offres EasyBank Pro et EasyBank Pro XL. Avec EasyBank Pro XL, vous aurez donc la possibilité de pouvoir planter un arbre des 100 euros. Avec la carte-là, vous pourrez donc avoir jusqu'à 3 cartes virtuelles, une carte simple sans avoir la carte Visa Infinite. Et la carte Visa Infinite pourra donc avoir la dernière offre chez iGuard, la Metal Infinite. Auquel, chez Bank, vous n'avez que 3 offres de banque et une offre pour épargner. Avec la Visa Infinite, vous aurez donc des frais quasiment de retrait. Ça, c'est simple. Des petits frais avec la Visa Infinite de retrait. Avec Bank, vous aurez donc des frais gratuits, 6 retraits gratuits après vous payer. Vous aurez 6 retraits gratuits, après vous payerez 9 retraits à 99 centimes, et après vous aurez 2,99 € les frais de retrait, après vos 9 retraits à 0,99 €. Avant, vous aurez 6 retraits gratuits, que vous ayez l'offre Easy Bank Pro et Easy Bank Pro XL. Alors que Easy Bank, tout simple, vous donnera les retraits à 0,99 €, vous aurez donc 9 retraits à 0,99 € et après vous paierez 2,99 € le retrait. Avec la partie, vous aurez donc un chat, vous pourrez donc les contacter par chat, l'une et l'autre. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir louer un véhicule et louer une chambre d'hôtel, car elle comporte tous deux l'endossage de crédit et les options de location qui vous donneront un accès aux locations de véhicules. Si vous disposez de 25 000 euros, vous pourrez donc prendre une voiture Ferrari. Si vous voulez avoir une Ferrari à 25 000 ou une Lamborghini à 25 000, ces deux cartes vous donneront cette possibilité de pouvoir prendre tous deux une Lamborghini ou une Ferrari à 25 000 euros. Avec la partie de chez Bank, comme il y a un plafond de 50 000 euros par jour, avec la partie Visa Infinite, vous pouvez donc passer simplement quasiment avec du haut de gamme. Vous pourrez donc aller dans des restaurants chics, aller dans des hôtels chics, louer des véhicules de prestige, quasiment faire du 4 fois son frais si quasiment la société de crédit accepte, qui généralement avec iGuard. Ils sont un peu regardants sur cette carte, mais certains acceptent bien le 4 fois son frais. Avec Bank, même si ce n'est pas une Visa Infinite ou une Mastercard World Elite, elle ne comporte aucune mention puisque c'est une simple Mastercard. La carte comportant un plafond de 50 000 euros par jour, vous pourrez donc, avec 50 000 euros de plafond, si vous avez l'argent nécessaire, louer un véhicule de prestige qui ne dépassera pas les 50 000 euros, aller dans une chambre d'hôtel de luxe qui ne dépassera pas les 50 000 euros, aller directement faire du 4 fois son frais, car avec la Bank, elle est la plus reconnue comme étant une carte crédit par rapport à la Visa iCard. Donc vous pourrez faire du 4 fois sans frais. Alors pour finir, ces cartes sont assez similaires si on en regarde ainsi. Assez similaires si on en regarde ainsi. Sauf que l'une sera plus dans le domaine bancaire, la Bank, et celle-ci sera plus préconisée pour les voyages. Alors tout simplement, vous pourrez donc simplement prendre la station essence avec la Bank et la Visa iCard Infinite. L'une sera plus en retour de la préautorisation, alors que la Visa Infinite de chez iGuard, il faudra compter 8 à 30 jours pour récupérer la préautorisation de la station essence. Avec Bank, parfois vous avez une contre-préautorisation, alors qu'avec la Visa Infinite de chez iGuard, vous n'avez pas de contre-préautorisation. L'une comportera donc du hors-ligne appelé offline, du quasi-systématique, comme on l'appelle dans les banques traditionnelles classiques, du quasi-systématique qui ne fera donc pas du débit
immédiat à contrôle de sol, car avec le quasi systématique, la carte ne vous fera jamais défaut, car avec un endossage de crédit, vous serez donc mieux vu et vous pourrez mieux utiliser votre carte bancaire. Vous aurez donc un offline de 250 euros. Vous pourrez donc prendre les péages et les parkings souterrains et tous les terminaux de paiement dans les commerces et les boutiques qui ne seront donc pas connectés à Internet pour donc vous faire passer votre paiement. Avec iGuard, vous ne disposez donc pas de offline, donc tous les paiements tels que les parkings souterrains, les péages et les terminaux de paiement qui ne sont pas connectés à Internet vous seront donc refusés. Vous n'êtes donc pas à la partie être presque à une carte tout ou presque de débit différé, car vous n'avez pas de offline. Donc même si ces deux cartes sont assez similaires, l'une sera donc plus pour quasiment partir dans le domaine bancaire, avec lequel vous aurez tout ou presque, je dirais tout ou presque, une approche par ses paiements, par ses plafonds, par son hors ligne, quasiment une approche tout ou presque, sans avoir le côté débit différé à une débit différé. Quant à celle de la Visa Infinite, qui généralement dans les banques maintenant peuvent la faire passer en contrôle de solde, vous aurez donc une simple Visa Infinite uniquement pour ces options qu'elle propose, sinon la carte en elle-même restera une carte à contrôle de solde. Vous ne pourrez donc pleinement coupler cette carte si vous décidez d'être dans une néobanque, que vous quittez les banques traditionnelles classiques où les banques en ligne ne vous intéressent pas et que vous tombez en interdiction bancaire, que vous recherchez des cartes les plus fonctionnelles du marché dans le domaine des néobanques et des fintech. Vous pourrez donc prendre pleinement cette carte bancaire pour le quotidien de tous vos achats que vous aurez à faire et coupler tout simplement si vous voulez avoir de bonnes petites options d'assurance, ainsi que tout le domaine de la partie Visa Infinite qui vous donne accès à des salons d'aéroport, à la partie tout simplement de ce qui est de la location de véhicules et de la location d'hôtels de luxe, couplé à iCart avec Bunk qui vous fera quasiment avoir la multibancarisation, mais quasiment avoir du luxe sur vos cartes bancaires. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement à les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.